C'est l'histoire d'un écolier, Nicolas, dans une école ordinaire en France dans les années 60. Écrit par René Goscinny et Jean-Jacques Sempé, le livre du petit Nicolas est narré à la première personne du singulier, « je », pour garder le point de vue de l'enfant. Il raconte des courts épisodes de la vie du héros avec ses camarades de classe, à l'école ou à la maison. C'est écrit avec énormément d'humour, de naïveté et de tendresse. Le monde du petit Nicolas est très restreint. Les seules personnes qui comptent dans sa vie sont sa mère, son père, sa maîtresse d'école et ses quelques amis. La toute première histoire du premier livre, c'est l'épisode de la photo de classe. Une excellente manière de présenter ses copains et sa maîtresse. On rencontre Alceste, qui est très gros et qui mange tout le temps. Eudes, qui est très fort et aime bien donner des coups de poing sur le nez des copains. Geoffroy, qui a un papa très riche qui lui achète tout ce qu'il veut. Et Agnan, qui est le premier de la classe et le chouchou de la maîtresse. Chaque personnage a des réactions sincères, mais ça dégénère toujours vers des situations amusantes. Le tout vu par les yeux innocents de Nicolas, qui doit avoir entre 7 et 9 ans. L'idée est sortie de l'imagination de Jean-Jacques Sempé au milieu des années 1950. Avec la collaboration de René Goscinny, le créateur d'Astérix et Obélix, le projet a pris forme et a connu un succès énorme en France. Chaque aventure ne dure que quelques pages et est très facile à lire. Il y a de temps en temps quelques mots un peu démodés. Le livre a près de 60 ans maintenant. Mais dans l'absolu, c'est une excellente lecture pour apprendre le français en s'amusant. Il y a 5 livres originaux, puis les aventures ont encore continué après la mort de René Goscinny en 1977. Le petit Nicolas a même été adapté plusieurs fois à l'écran, au cinéma et à la télévision. Cet automne 2022, ce sont les réalisateurs Amandine Fredon et Benjamin Massoubre qui le réadaptent en dessin animé avec les voix d'Alain Chabat, de Laurent Lafitte et même d'Anne Goscinny, la fille du créateur original du Petit Nicolas. Question. Si vous l'avez lu, qu'avez-vous pensé du Petit Nicolas? Quels autres livres sont utiles pour apprendre la langue française? Quels sont vos meilleurs souvenirs d'enfance ?